Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du différé et du pirate thaïlandais pour cette 1085e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Simpsons Road Rage, à ne pas confondre avec Road Rage 3 qui est sorti sur PS2 simplement 2. Donc là, comme je viens de le citer, c'est une version thaïlandaise pirate. Ce qui a été gravé dans les magasins que j'ai trouvé dans un vide-grenier. Quelqu'un avait dû l'acheter là-bas, je sais pas. Donc j'en ai profité, c'était 50 centimes le jeu. Avec jaquette avant et arrière, mais arrière en fait c'est découpé, il n'y a pas les tranches. Donc je vois pas trop à quoi ça sert, quel genre de boîtier c'est. Et c'est un jeu donc en version thaïlandaise, ce qui fait qu'en vrai on pourrait jouer en 60 Hz, sauf que pour des raisons NTSC, pour des raisons de capture via Dazzle, je vous ai mis en 50 Hz. Et là, je vous ai mis toute cette partie en multiplié x2 la vitesse, parce que les temps de chargement, j'ai cru que le jeu buguait. Alors, je sais pas si le jeu d'origine est aussi lent en chargement, ou si c'est juste là à cause de cette version piratée. Et donc, je vous propose de découvrir quel est le type de ce jeu. Donc là, c'est en version voix US, donc je peux pas vous dire si c'est les doubleurs d'origine, parce que moi, je connais que Simpson version française. Et donc voilà, vous avez compris, au bout de 2 secondes, ben voilà, c'est un Crazy Taxi, tout simplement, sauf dans l'univers de Simpsons. Alors je me rappelle plus les touches, mais ce qu'on est en différé, il y a accéléré, il y a stop. Nous, on est obligé d'être arrêté pour prendre les gens en stop. Pour les amener à un autre endroit, stop, ainsi de suite. Donc là, il y a un timer, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on... Bon, c'est comme un Crazy Taxi, j'y ai pas trop joué, mais donc c'est le même système. Select, c'est pour réinitialiser si on est bloqué. C'est-à-dire qu'en gros, on a un décompte automatiquement, sauf qu'à chaque fois qu'on va aider quelqu'un, on va gagner du temps. Et le but, c'est que le temps final, il faut gagner le plus d'argent possible. Et une fois qu'on a le plus d'argent, je crois que le but ultime du jeu, c'est de racheter l'entreprise de Burns, un truc comme ça. Et donc, au passage, le seul intérêt de ce jeu, en fait, c'est de débloquer tous les personnages du jeu. Vous avez peut-être pu voir dans la sélection des 10 personnages, DITS, hein, bien sûr, pas DIX, hein, ou des précédemment cités machin, personnages du jeu. Donc, ce qui est bien, c'est que on peut leur rouler dessus, ils nous en veulent pas. Mais bon, on peut pas faire autrement parce qu'on peut pas s'arrêter sans les toucher. Donc voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'on a les voix. J'imagine qu'en version française, ça va être un peu plus drôle, même si c'est peut-être répétitif à force. Comme dans Crazy Taxi, on a des voitures, on a un trafic routier à éviter. C'est assez bien affiché, hein, finalement. On a la carte, qui bien sûr en rotation pour que ce soit toujours vers le haut, quoique non, elle le tourne en même temps qu'on tourne, donc voilà. Oui, non, on se repère mieux, elle est dans le sens de de la route, quoi, dans le sens de notre trajectoire. On a en plus en haut la main qui nous sert de radar, donc c'est assez simple de trouver, d'autant qu'il n'y a pas de... Il y a toujours un chemin pour y arriver, il n'y a pas d'endroit où il faut faire un énorme détour. Un peu, mais pas trop. Il y a des joues, c'est un peu trop plus ça. Donc là, c'est assez simple. C'est assez binaire hein, comme jeu, quoi. Bon, les niveaux sont assez grands, avec on peut couper par exemple, dans les champs, dans la prairie, ou dans le gazon, je ne sais pas comment ça s'appelle. On peut détruire les lampadaires, les bagnoles et tout. Donc c'est un jeu plutôt arcade, hein. Donc moi je comprends pas trop en fait, il paraît que ce jeu est beaucoup plus ennuyeux que le Crazy Taxi de base, parce que se disant, le Crazy Taxi est amusant. Et moi quand j'ai joué à Crazy Taxi et quand j'ai joué à ça, je me suis fait vraiment chier de la même manière. Autant sur Crazy Taxi, peut-être là moins, parce que justement je trouve que le jeu, vous voyez que la route est beaucoup plus large, on a plus d'espace pour rouler, alors que Crazy Taxi c'est assez cloisonné les routes. Là c'est plus large, voilà, c'est rigolo. On a les personnages des machins, on a le décor. Après graphiquement, c'est peut-être mieux Crazy Taxi, encore que non. Oui, encore que non, d'après Didier Migaud. Moi je vois pas trop
c'est de la 3D, mais ils ont fait un effet cel shading avant l'heure ou après l'heure. Mais puis Crazy Taxi, je crois que c'était, je sais même plus ce que c'était Crazy Taxi, peut-être plus gros. Crazy Taxi, on a des bagnoles plus grosses, mais vous verrez qu'à la fin, on peut changer ça dans les options. Donc moi, qui dois choisir entre Crazy Taxi et celui-ci, je prendrais ce jeu-là parce que l'univers me parle plus que l'univers ricain années 90 arcade. Ça me parle pas trop, quoi. Là, je sais pas s'il y a de la musique, j'ai pas entendu. Donc voilà, là on a terminé le mode principal qui permet donc de débloquer à savoir des nouveaux véhicules, je sais pas si ça change quelque chose, des nouveaux personnages et bien évidemment de nouveaux décors, parce que c'est vrai que ça, même si c'est toujours pareil, hein, c'est des grandes c'est comme des arènes avec des routes. Il n'y a pas vraiment trop de il n'y a pas des tunnels, des ponts, des trucs, c'est pas un vrai level design, je veux dire. Donc là, grâce à ça, on peut donc enregistrer ses meilleurs scores. Alors je sais pas si quand il faut, je crois, faire 10 millions ou 1 million de dollars, est-ce que c'est en une partie, et une fois qu'on est dans cette... C'est que si on arrive à faire 1 million de dollars en une seule partie, c'est là qu'on pourra acheter l'entreprise de Burns. Ou c'est cumulé avec à chaque fois qu'on fait un score avec la même le même pseudonyme de sauvegarde. Ça, j'avoue, je sais pas trop. C'est la limite un peu des reviews de merde. Donc moi, j'ai plutôt choisi un environnement à vous montrer comme ça, parce qu'un véhicule, sinon, on aurait tourné encore avec le même système, le même décor, ça allait être ennuyeux. Et là, pour le coup, je vais vous laisser le vrai temps de chargement. C'est ça qui est vraiment dommage dans ce jeu, c'est loading times intempestif et qui dure trop longtemps. Donc on va compter, ça va être un jeu interactif, comme Dora l'exploratrice. Donc on va compter tous ensemble le temps que prend un temps de chargement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, c'est bien les enfants, 11, 12, 13, avec moi, 14, 15, 16, tout le monde, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, docteur, 34. Donc j'aurais pu vous mettre plutôt un chiffre, mais je crois que c'était plus interactif de le partager ce moment avec vous. C'était beaucoup d'émotions et merci de tous d'avoir participé. Donc là, c'est le mode mission. Ce sont des missions à la con et non pas des mixions de con. Donc là, il faut juste... Je comprends pas, parce qu'il y a marqué sur les 20, il faut en détruire 12, mais ils auraient pu faire plusieurs niveaux. C'est-à-dire, soit on arrive à en détruire que 12, on a quand même gagné, mais si on arrive à en détruire 20... On a un truc en plus, un truc en plume. Bah là, pas du tout, ça s'arrête à 2. Donc il faut juste aller en ligne droite, c'est pas trop caché. Peut-être les missions sont plus compliquées après, mais bon là, c'est juste l'occasion de vous montrer un peu. Voilà, c'est rigolo. J'imagine que c'est aussi rigolo qu'une blague de Normand ou de Hugo tout seul, mais bon, moi ça me fait pas rire, mais peut-être les gens qui sont fans de Hugo ou d'Antoine Daniel, ils doivent se pisser dessous en ce moment, parce que c'est vrai que c'est très rigolo de casser tout ça. Il y a Jabba the Hutt, là c'est Jabba the Hutt. Donc là on va revenir... Non, je vais vous montrer l'autre mode de jeu, donc c'est assez limite. Hein. En même temps, Crazy Taxi n'a pas d'autre mode de jeu que le jeu arcade. Donc on récapitule, on a le jeu Crazy Taxi, on a le jeu Mission à la con, et on va avoir le jeu Free Tour. Peut-être qu'il y a un autre mode de jeu qui a été grisé. Donc là on va prendre le papy. Et on va prendre l'autre environnement que j'ai pu débloquer. Donc il y a plus de cartes que Crazy Taxi. Je crois qu'il n'y a qu'un environnement. Peut-être qu'il y en aura un deuxième dans le Crazy Taxi 2, simplement deux. Mais c'est pas sûr parce que j'y ai pas joué. Donc là, on va pas compter, mais le cœur y est. Hein. Vous pouvez compter dans votre tête, de votre côté. Prenez des initiatives en tant qu'auditeur. Vous pouvez vous compter combien ça a pris, mais... En tout cas, ça fait beaucoup, quoi. Ça c'est bien d'avoir fait en différé, comme ça j'ai pu vous couper tous les temps de chargement.
Et là, on prend Papy. Et alors là, on peut quand même prendre des gens en taxi. Ils ont, ils l'ont pas enlevé dans la programmation, mais vu qu'il n'y a pas de timer, ça sert à rien, quoi. On n'est pas obligé. Là, c'est juste, en fait, j'imagine, pour s'entraîner à bien connaître le district par cœur. Et après, quand on fait le jeu, on connaît tous les coins et recoins. Donc, bah, c'est sympa d'y avoir pensé. Comme ça, on peut juste s'amuser. Si on adore les environnements, si on veut faire comme dans Dark Souls, rester des heures dans un environnement, on peut le faire dans ce jeu-là. Les musiques sont atroces. Donc voilà, là, j'ai enfin découvert, il y a trois caméras, donc c'est bien d'y repenser. Sauf que voilà, le mode, vu que c'est des voitures assez en bas, ras la moquette, et en fait, je trouve que c'est compliqué. D'habitude, les vues subjectives dans les jeux de voitures, je trouve ça plus simple. Mais là, le champ, la ligne d'horizon est trop basse, et donc on voit pas de loin. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était C'est sympa, mais en fait, ça rend le jeu encore plus dur. Plus dynamique et tout, c'est vrai, mais beaucoup plus dur. Et on a le mode la vue qui est un peu plus collé derrière. C'est comme quand on joue à Star Fox, on appuie sur Select. Quand on est sur le stage normal, qui n'est pas en vue subjective, on a la vue un peu plus rapprochée. Donc voilà, le jeu, je trouve pas ça honteux. Hein. C'est un jeu, un Crazy Taxi... un clone de Crazy Taxi dans l'univers des Simpsons, voilà quoi, il n'y a pas spécialement un scandale, le jeu n'est pas spécialement raté par rapport au Crazy Taxi, parce qu'on peut faire exactement peu ou prou les mêmes choses, c'est le même concept, c'est autant ennuyeux l'un que l'autre, la copie est aussi ennuyeuse que l'original, donc bon, je vois pas pourquoi j'irais cramer ce jeu plus que l'autre. Et je sais plus ce que je vais vous montrer après. C'est peut-être, oui, c'est très important pour faire une review. Je vais vous montrer les commandes. À quoi correspond chaque touche de la manette PS2. Très important, voilà. Et je suis fier de vous avoir guidé dans le menu options. Parce qu'il y a aussi une option dans ce jeu. Donc sur ce, je vous dis ciao Pépito pour une prochaine vidéo. Et à plus, mes puces.